Mais c'est faillite, tu vois, que. Mais tu m'as fait peur, j'ai entendu courir et tout. Ah, chez moi, je dors plus dans la maison avec tout ce qui se passe là. Oh putain, j'ai eu trop peur. D'ailleurs, ça tombe bien que tu sois. Oh là. Hier soir, j'ai appris quelque chose, tu aurais pu au moins me le dire, vous êtes au courant depuis une semaine. De quoi? Un groupe civiste dans le bayou, il paraît qu'il kidnappe des personnes, il les tue, il faut manger des cœurs humains et tout. T'aurais pu me dire cette histoire? Mais je savais pas, moi, je sais juste que à la cotonnerie, il y a eu un décapitage. Bah, c'est eux. Ils Ouais, je s'appellent savais les pas qu'ils venaient du bayou. Nocturna Orange. D'accord, bah j'étais pas au courant, tu vois. Bon, je crois pas que c'est Orange, mais il s'appelle Nocturna en C'est tout cas. bah, c'est la police qui m'en a parlé, comme quoi il y a eu au sein de la cotonnerie, tu sais, dans les champs, Oui. il y a eu une course-poursuite bah, avec cette fameuse bande Bah et oui. deux personnes. Et il y en a un, il y a eu deux morts en C'est tout, ça. et il y en a un qui s'est fait décapiter. C'est ça, et en fait, c'était au salon hier soir, il y en a un qui parlait. Puis j'écoutais la conversation, tu vois. Il me disait, oui, j'ai assisté, en fait, on nous a kidnappés, tout ça. Il y a deux personnes qui ont été décapitées. Ils m'ont fait passer des épreuves. Vu que l'épreuve, je sais pas quoi, j'ai été marqué. Maintenant, je fais partie de leur troupeau. Ils m'ont fait manger un cœur humain à quelqu'un d'autre et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il Oh. raconte? Et il dit comme ça, en plus, il sévit jusqu'à la frontière d'Elisabeth. Et il sévit dans tout le secteur de Bayou. Donc, c'est-à-dire même autour de chez nous, quoi. Bah, d'accord, ok. Ah, je t'ai pas dit! Hier soir aussi, j'ai pris. Donc, on a vendu bah, tout ce qui doit rester au niveau des bouteilles de Moon. Ensuite, avec Mirko, il restait plus que tous les deux. Et puis, on est parti avec la seringue d'opium, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on est allé jusqu'à. Annesburg, c'est ça la ville au-dessus à droite, là. Mais avant, on est passé à Van Horn. Et au moment. Oh, bon, tiens. Au moment où j'ai passé à Van Horn, tout le monde sort du salon. Il y a dû avoir une grosse réunion. Oh putain. Tous masqués. Et puis là, ils ont contrôlé moi et. Bandana orange. Je crois, ouais, je suis pas sûr. Je les ai déjà vus. Il y en a quelques-uns. Et après, je crois qu'il y avait d'autres groupes aussi. Et du coup, ils nous arrêtent en plein milieu de la route. Ils nous empêchent de passer. Ils disent déclinez votre identité, vous êtes qui? Alors là, on a commencé à parler avec Mirko. Puis après, quand j'ai dit je suis de la famille Ferka, il a dit comme ça, je cite, essayez de passer. Hein? Ils ont eu peur de nous, parce qu'on est des personnes de badass, moi et Mirko. On a pas arrêté de parler et ils ont dit c'est bon, laissez-les passer. Donc on est passé. Ils ont dit c'est les passés? Oui, quand j'ai dit Ferka, ils ont eu peur. Ça, c'est parce que c'est. Ouais, je suis caca de badass, qu'est-ce que tu veux? Bon, de te faire pis, ça va jusqu'à perpétuer les joues, tu veux? T'étais habillé comme ça peut-être? Exactement, oui! Ouais, Ils ont c'est eu. pas Ils ont, ça. ouais, mais non, mais ils ont eu peur, c'est parce que ça a failli faire quoi? On est des personnes badass, tu vois? Donc, du coup, je t'explique, donc on a continué notre chemin après, on est allé jusqu'à Annesburg. Et à Annesburg, bah écoute, je suis allé voir les employés qui travaillaient à la mine, là, ces pauvres habitants, là, qui travaillaient à la machine, là, où il a pu être plus cher, tu vois? Et je leur ai vendu la petite seringue d'opium. D'accord. Tu l'as vendu combien, ce truc? 3,40 $, je crois, un truc comme ça. Que? C'est tout? Bah, ils ont baissé les prix ont changé aussi là-dessus. Ouais, mais il est pas baissé qu'un peu, là. Bah, avant, c'était 10 $, c'était trop. Non, même moi, je le dis, c'était beaucoup trop avant. Mon Pour moi, Dieu. c'était trop facile. C'est pour ça que tout le monde tenait la mine d'Annesburg. Ah, la morue! 10 $ l'opium. Tu sais que nous, l'opium, jadis, on le vendait à ce prix-là avec Mirko. Hein. Ah ouais? Ah, mais bien sûr. La moumoune, toc, dans nos fesses. Vas-y. L'opium, toc, c'est les soldes. Blaf, Alors non, mais hein? au fait, si tu veux, la moon. Par contre, je suis contre le fait de dire comme ça qu'en gros, la rochette, faut qu'on l'oublie. Pour moi, c'est complètement débile. Puis le second, argumentation du style que les organisations, ils n'ont pas de privilèges. Entre toi et moi, l'argumentation est complètement débile. Mais ça, On est passons. d'accord. Au fait, en gros, si tu veux, les organisations, ils vont avoir une énigme qu'ils ont dû avoir, je pense, hier soir. Pour ben, redécouvrir la recette de la moon. Mais je pense qu'après rien ne va changer, hein, ça sera toujours pareil. C'est juste que nous, malheureusement, on s'est cassé la tête à faire de belles choses, à essayer de gagner confiance avec certaines personnes pour qu'on ait la recette derrière. Mais bon, c'est vrai que ça fout un peu le chien. Ouais. Mais du coup, si ces personnes-là arrivent à avoir la recette, on peut la revoir du coup. Exactement. Ok. Bah, faut peut-être attendre un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais j'espère que ça va pas changer beaucoup.
Bah, je pense qu'à mon avis, ils ont dû changer pas mal de choses pour la recette, hein, pour que ça soit moins facile à faire. Oh, je t'ai pas dit aussi! Oh non, t'as dû. John, il dit comme ça, ouais, j'ai fait les tons, mais je retrouve plus certaines bouteilles, tu vois ce que je veux dire? Qu'on doit utiliser pour. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui. Mais attends, hein, en fait, on l'a fait à côté d'Emerald Ranch, sur les hauteurs, sur les plaines. Ouais, je vois lesquels, Et ouais. tu vois, juste avant, je dis, en plus, je cite, hein, parce que moi, j'adore, parce que des fois, je suis voyant. Je dis comme ça, tu sais, ici, c'est risqué. Si ouais, qu'on fait ici, tu peux être sûr qu'ils vont nous foncer dessus. Alors, je vais tout t'expliquer. On est en train de creuser tranquillement tout ça. Et puis, le Ouais. moment où on dit on va partir, on a eu quelques soucis au niveau des yeux. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de monter sur mon cheval, impossible de monter sur mon cheval. J'ai essayé de faire partir mon cheval, impossible. Oh Et là là. là, je vois quoi? Je vois de la magie vaudou. Je vois Celia qui était de gauche, elle est passée directement à droite. Elle apparaît comme ça devant mes yeux. Et John, je le vois disparaître. Je sais pas où il était, tu vois. Et là, je vois mon cheval partir. Et là, qu'est-ce que je vois sur ma droite, au loin? Deux cavaliers. Le premier, ils étaient deux sur le cheval, fusil à verrou à la main. Et le second cheval, fusil également à verrou. Habillé en tenue de bleu avec des étoiles. Alors là, je t'explique même pas l'histoire. On est descendu en contrebas sur les maisons des Hobbits. Je me suis jeté dans les buissons. C'est y a pareil. On a fait style de pas bouger. Ils sont passés devant nous, tout ça. Ensuite, j'ai attendu un petit peu et après on est allé plus loin. Et là, je me suis mis dans un buisson. Et tu sais ce que j'ai fait, parce que vu que je suis caca de badass, Vas-y, oui. j'ai marqué mon territoire. C'est-à-dire? Mais comme font les lions, j'ai sorti ce que je pense, j'ai fait pipi pendant tout ce temps-là. Et ensuite, je me suis relevé comme si c'est rien passé. Et après on est parti avec Seiya. D'accord. Et ma soeur, elle a pissé, je suis sûre. Bah, elle a eu peur, parce que quand j'ai fait pipi, bien évidemment, mais. Niveau tête, j'étais pas présent, quoi. Ah ouais, bah j'ai vraiment fait pipi dans le buisson, je suis tranquillement, quoi. Non, j'ai du pis, ils sont passés devant vous. Oui, entre-temps, ils sont passés devant moi quand je faisais Excellent. Mais c'est quoi ce. Mais c'est de pire en pire les fringues pipi. là. C'est ça la tenue qu'il y avait, du coup, tu vois, la tête, ça ressemble à Zoltan avec son chapeau qu'il avait avec toi. Et le reste de la tenue, ben, c'est Mirko. Oh ouais, mais là. Là, vous Mais y recevez, a rien qui va, y a rien, rien, rien. La chemise, messieurs. ça va pas. Le poncho, la cape, là, ça va pas. Ta foufoune, J'en peux plus de ce groupe. Ah, Vincent. Ah, t'es sûr qu'il est méchant, je fais. Ça fait arriver, dis pas bonjour. Ah, mon gueule comme ça, c'est pas possible. Sinon, comment ça va? Ça va Mais bien, ça va toi, pas mon du frère? tout, faut Moi, lui ça dire. va? Allez. Il ressemble à une Hey, toi, t'es. moumoune. T'es affreusement joli. Merci. Affreusement, oui. Oh, j'avais que j'en ai marre. Parle. T'as Non, oublié non, quelque tais-toi. chose, toi? Tais-toi. Aïe, oups. C'est Bon, bon, alors tu me là, mon respectes gars. un petit peu, Hey, là. ça me fait penser ton tombola, ça fait 21 h, faut qu'on trace. Ouais. Oh, pour ça, oui, T'as c'est ton vrai. bolard, là. Sur la C'est où? carriole, sur la carriole, sur la carriole, vas-y, La on y va. carriole. Faut qu'on aille en bas. Attends, je me change de tenue. J'en peux plus, les amis. À chaque fois, je me tape un délire. J'en peux plus. Allez, on y va, il faut y dépêcher. Et c'est où, Je c'est quoi où, c'est où? mais je suis à la guéguette. À Geket. Je suis à la guéguette. Allez, on y va. Oh, c'est bon, je vois bien. Allez, Allez, on y guéguette. va, on On y arrive en va. retard, hein. Allez, C'est roule un petit pas grave. peu, on Allez, grimpe vas-y, en roulant. pilote. C'est toi, et monte. Bah oui, mais sinon, Ah je vais tiens, tomber oui, si c'est je que je roule vais pas un petit peu. vas-y, vas-y. Allez, on y va. Ah! Mais ça va aller, t'inquiète pas. Accrochez-vous. Ah bah oui, je fais que ça. Le poteau! Chez moi, ça passe. Ah, Oh t'avais bah raison, il y avait un cheval, regarde. On va arriver en retard, on a 8 minutes pour y arriver, hein. T'inquiète Bah oui, pas, mais j'y vais c'est faire. bon, fouche, fouche. T'avais raison, il y avait un cheval derrière. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois, je t'ai dit. Mais si, Faut prendre un cheval. on va peut-être prendre des raccourcis, je préfère vous le dire, accrochez-vous. Oh putain, j'ai rien pris pour réparer la Ça charrette. va aller, t'inquiète pas, j'ai mis des couchettes derrière pour les fesses, tout ce qui va, donc t'inquiète pas. Oui. On passe chez les voisins, c'est rien, c'est l'arbaille. Ah oh, oui, y a, on t'a pas raccourci, y'a qu'est-ce qui est Si, possible. je lui ai dit. Si, Ouais. c'est bon, il m'a tout raconté. C'est parce qu'on a Allez, des caquettes de badass. on est les rois du pays, oui. Oui, c'est ça. J'aurais pas dit les rois du pays, mais c'est quand Je même bizarre la cite ce qu'a réaction. dit Mirko, il est roi du pétrole.
Ouais, tout à fait, roi du pétrole lui. Ouais, il est le roi de tout le monde. Chicha. Parce que tout le monde et tu sais qui s'est passé, il y a un jaguar, un guépard, un machin là, qui a attaqué l'autre. Parce que de base, il allait nous attaquer, mais il y a un ami qui ne s'est pas Mirko, dessus. Mirko. Respire. Parle doucement, je comprends rien du tout. Ouais, c'est vrai. Respire. Quand tu as dit passer, il y avait un couper si tu veux. Oui. Et juste avant, il y avait un monsieur qui est passé, bah du coup le monsieur il s'est pris le cougar. Oui, pour nous. T'as vu comment on dit les rois. D'accord, oui, bah ça c'est bien. C'est parce qu'on dit les frères Ferka, ils ont eu peur. Oui, c'est vrai que quand on a dit Ferka, ils ont dit, ah, c'est bon, vous pouvez pas ici. Ah bah surtout dans cette tenue là, tu m'étonnes. Bah oui, pardi. Ah non, on était avec la bonne tenue, hein. Il y a des perchettes badass, tu veux. Bah oui. Ils se sont dit, oh là, des poux, qu'on les laisse passer. Accrochez-vous. Voilà. On va tomber, on va tomber. Je vois rien. Eh, on est sur les rails là. Oui, on est sur les rails et il y a le vide. Mais c'est pas ça, c'est que je me dis que le train il passe sur les rails et peut-être que c'est fait aussi pour les carrés de ses bords. Ouais, mais ils sont pas, il y a dans le vide, après on va tomber, on va mourir. Ça passe à 1 cm de la voie sur la gauche, mais tu vois bien ce passé. C'est tout pour son pas. Oh mon chou, t'inquiète. C'est un raccourci. C'est bon, on va dire que si le train il passe sur les carrés. Non. Je veux sortir, je veux faire un grise. Vous pas que tu voyais. Je veux faire un grise, je me sens pas bien. Je suis fort. Respire, Radio. J'avoue, on a failli tomber. Moi, j'ai vu la roue dans le vide. Ah, bah, il est chaud. Ça va, il reste combien de temps, 6 minutes? Je sais pas, oui. On est obligé de passer par un push. Oui, allez, passe. On a pas le choix, accrochez-vous. J'espère qu'il n'y a pas de train sur les bords. On va passer sous l'eau. Non, dessus. Oui, dessus. Oui, parce qu'en dessous on est mort, hein. J'ai fini de barbe au café, toi, Kibo. Mais non, mais si on passe dessus, parce que c'est loup pour tomber en dessous, hein. On n'a pas le temps de boire du café là. Regarde, Daniel, au bon chaud. Mais je vois rien. T'en fais pas. Non, ça va, tranquille, il y a des barrières qui pour nous retenir. Tu vas pas tomber, on va pas mourir aujourd'hui, Daniel. Mais qu'est-ce que je fais? Son saut, il va être tout seul. J'ai une bonne nouvelle, je vais tirer mon café au lit, donc ça veut dire que je vais être encore plus énervé, tu vois. Allez, c'est parti. C'est pas fini, ça y est. Get up. Ah, je te fais... J'ai contacté les hackers sur l'organisation pour la commode, ils m'ont pas répondu. Ah bon? Et ensuite, j'ai contacté aussi par rapport à une annonce qu'ils ont fait sur le coin des rues. C'est un groupe de bandits, la meute, qui s'appelle. Et comment t'expliquer ça? Ils font une réunion dimanche soir avec tous les groupes de bandits. Ouais, moi je suis là, ouais. Donc voilà. Donc on y va dimanche soir. 4 minutes. Vite. Ça passe pareil, ça passe ou pas? Oui, vas-y, sur poche, c'est bon, t'inquiète, pousse, sur poche. Oui, ça poche, c'est bon. Eh bah si on n'arrive pas à être dans au moins, moi je comprends pas. Vas-y, tu vas à droite, allez. Oula. Ça frotte là, hein. Oui, c'est rien, t'inquiète, ça passe. Ça passe sur où, ça? La dernière fois, je crois qu'on a perdu des choux, je crois. Ouais, t'inquiète, ça passe. Ça passe pas. J'entends les chevaux. Ça passe pas. Oh, c'est pas Yassi, ouais. Oh, vache, arrête, il faut y aller le pied. Oh bon. On va appuyer là-bas. Faut qu'on fasse pareil, pas je sais pas. Il sait pas nager. C'est quoi ces chevaux? Ça va pas nager. Ton frère, hein. J'appuie, il va apprendre à traverser, il va prendre la cheval, t'es qu'il peut. Mais c'est quoi ces chevaux? Ça s'est même pas traversé de l'eau. J'en peux déjà plus, moi. Et l'eau, elle était pas profonde, au plus ça va, honnêtement. Ah oui, mais je crois que c'est quand t'arrives vite. Ah, tu crois? Ouais. Ah, bah il va peut-être falloir qu'on fasse différemment, d'ailleurs. Ça fait un effet de freinement, tu vois. Ah, c'est ça. Ouais. Ça veut? Ah, bah oui. Ouais, c'est bon. Ah, tu sais pas nager, la honte, hein. Moi, je veux dire à tout le monde. Yeah, et si tu gagnes le speed dating, je vais le dire. Je veux dire à la fille. Il reste 3 minutes, il reste 3 minutes. Mais j'en peux plus. J'ai cuisson. C'est où? Je vois rien, je sais pas où c'est. Bah, je sais même pas où c'est. Y'a un route. Il est chaud. On se dépêche, on va y faire.
C'est bon, c'est Kid Pod, il y a du bidus. Ah, c'est bon aussi. Je sais plus c'est quoi, mais... Appelle ta charrette. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Appelle la carrière. Aïe, aïe. Appelle, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Bon, t'inquiète pas, c'est vas-y. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais ça arrête devant moi, quoi. Mais c'est pas bien, ça. Aïe, 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 aïe. Vous voulez tomber. Mais j'ai de la terre partout, bah, je suis vachement présentable. C'est Kid Poi, c'est... Oh, bah, émotion. Oh, moi, ça. Chevalier. Oh, il a perdu roue, il a perdu roue. Oh. On peut y arriver. Enfin, ici, moi, tant pis. Oh, il y avait un carioï. J'en peux plus. Ah. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Oh, merde. Ah, je sais pas, il reste 6 minutes, il reste 6 minutes. Oh bah ça, y'a rien qui va. C'est pas possible, y'a rien qui va aujourd'hui. Et puis si tu tapais le rocher, ça a cassé le... Je pense que l'a eu, ça a cassé la roue. Je crois qu'elle a raison, Anna, c'est la vitesse, les amis. Que quand tu tapes un rocher, ça casse le truc. Et avec la vitesse, quand tu traverses l'eau, ça doit faire une onde de choc. Et ça doit casser aussi les trucs par rapport aux choux attachés à l'avant. Je crois que c'est ça, les amis, je suis pas sûr. Oh, push. Y'a personne? Si, si, ici au poteau. Bah si, tu vas beau. La nuit. Bonsoir. On est pas en retard. Bonsoir. Bonsoir. On y arrive à l'heure, ma diable. Vous êtes arrivé. Ah bah, pile poil à l'heure, hein. Oh, ah oui, bien le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Viens, vous. Bah, ça va, on se dit, ça va bien, oui. J'ai les cuisseaux en feu. Ah oui, hein. Ah, il y a Rouda Cario, elle a la cachée. Et tout. La Rouda Cario, cachée. Venez, je vous amène directement à une table et on va vous servir quelque chose à boire. Comme ça. La gauche, c'est Xavier qui paye. Ah oui, hein, magnifique, hein. Oui. Profitez, hein, messieurs dames. J'ai payé la dernière fois, mais là, c'est tout tour. Ah oui, hein. Mais non, il y a la dernière fois, c'est toi. La dernière fois, j'ai payé whisky. Chacun son tour. De toute façon, c'est pas les femmes qui payent. Moi, je sors pas. Si, c'est la femme qui paye. Alors, vous êtes trois, je vais vous mettre dans la petite table de trois. Par contre, c'est pas nazi, monsieur. Faut pas sur bien l'eau, hein. Ah non. Bonjour, Billy. Bonjour, Billy. Salut, salut. Ça va? Bah oui. On a pété la charrette, mon mur. Pourquoi ça m'étonne pas de vous? Oh. Ah, bonjour. Oh, il manque combien? Il manque combien de roues? Il y a pas que trois. Il y a pas que deux. Non, deux. Non, il y en avait deux avant. Il y en a trois. Ouais, ouais, voilà, je crois que là. Je crois qu'il y a eu un bon rue. Merci beaucoup, les amis, pour les pouces bleus. Ah, bonjour, quelle voiture. Eh hey Billy, hier soir j'ai entendu ça histoire au Saoud. Ah bon? Il paraît qu'il y a un groupe qui s'appelle les Nocturna. Ils sévissent dans le bayou, ils kidnappent des personnes et après ils débarquent avec les FR. Oui, si, si. Ils ont décapité deux personnes. Ils ont décapité deux personnes, ils ont fait manger un cœur humain à quelqu'un, ils ont dit. Oh punaise, ouais, j'avais entendu parler de ce groupe. Ah oui, oui. Ils sont pas des rigolos. Ah non, je crois qu'ils rigolent pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir? Alors, j'ai du whisky, de la vodka, de la tequila, du thé, du café, du bourbon ou de la bière. Oh, et à manger, j'ai du ragoût. Une vodka pour moi, s'il vous plaît. Une vodka. Et moi aussi, une vodka. Ouais, trois vodkas, madame. Trois vodkas, madame. Trois vodka. Ça coûte combien? Je vous dis ça. C'est moi, c'est moi qui vais payer. Ah, j'ai cours. Oui. Ah, si? Oui, t'es quitte pas. Tu fais l'innocent, Mirko, alors que depuis tout à l'heure, tu lui dis de payer. Bah, dire ouais, bah, dire faut j'ai payé, chacun quelque chose. C'est toi d'habit qui a payé. Mais non, il a payé deux tournées. J'ai payé une tournée de whisky et lui, il a payé la première tournée. Oula. Dire, c'est copieux. Oh, je baisse. Eh, faut baisser, t'as pu parler.
Alors, les trois vodka, ça fait 1,80$. Ah bah écoute, il y a 1,80$, c'est parfait, bah Yab. Est-ce qu'avec ça, vous voulez manger? Oui, un petit bout, s'il vous plaît. Du ragoût? Oui. Combien? 1, 2, 3. Non, merci. Non, pas bon, non, merci. Non, c'est bon, j'ai mes oranges. Parfait. Allez, je vous ramène ça. Moi, si de bas du veille, je ferai pas de beurre, vu que j'ai mes oranges. Ouais, et tu payes mon ragoût, hein. Il y a de la musique? Oui. Oui, il y a de la musique. Non, mais c'est normal, c'est Anna, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, du coup, ça. Ouais. T'as compris? Tu sais, quand tu te réveilles, quoi. Quand tu te réveilles. Tu sais, avant. Ouais. Ouais. Ah, bah, ouais, il y a. Ouais. Bon, écoutez bien, vous m'entendez? Oui. Allez, oui, en tant que j'ai. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Descends là, oui. Mais c'est pas une fouille, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Comporte-toi avec des bonnes manières, moi, regarde. Je regarde dans mon papier. Merci beaucoup les amis pour les pouces bleus. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mais ouais, c'est beau, ouais. N'oublie pas de sortir une arme à chaque fois quand tu as. Mais quand tu prends quelque chose, oui. Là, du coup, je regarde mon note, j'avais noté. Mon numéro c'est 56 79 72 102 105 108. Bah, il t'as perdu, t'as perdu. Ah, oh, merde. Oui. Bah, comment tu sais qu'il a perdu? Bah, je suis devant, je suis pas beau. Bah, oui, devant, mais c'est après. T'as dit quoi? 56 79 72 102 105 108 56 79 79 72 102 105 108 102 105 108 Oui, c'est ça. Putain, je mange la viande comme on a dit hier soir. Aïe. Ah oui. Oh, bah, je ah, toi aussi, tu fais pareil. Oui, c'est, pas c'est bien. Des chiffres rapprochés quand même. Oui, c'est pas moi qui a choisi. J'ai dit à la diable de choisir mes numéros. Voilà, du coup j'ai vos consos. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une facture? Oui, à monsieur qui est debout. À moi, bah, je vais écarter un petit peu si j'avais. Ça du coup, ça fait 2$ de avec le. Il n'y a pas de souci, Mayab. Il a des sous, lui. Bah, bien sûr, j'ai 75 000 avec toutes ces pipites que tu rabâches. Ah, oui, c'est vrai. Bah, oui. Ouais, c'est ça, oui. Et voilà, vous l'avez reçu? Oui. Ouais, y'a Mayab, c'est bon. Non, on va peut-être se réveiller un peu plus tard. Les dames d'abord. Ah, vous avez bien raison. Toujours, oui. Nous, c'est ce qu'on dit, les laisse même pas chier devant nous. Ah oui, c'est... Merci, madame. C'est très bête. Merci, surtout madame. Dans les escaliers, messieurs, que si jamais la dame glisse, vous soyez derrière pour vous la rattraper. Ne vous inquiétez pas, je gère. Tout à fait, oui. Ah oui, 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 ils seraient les premiers à me pousser, oui. Même quand ça se passe mal, on les laisse passer devant, comme ça, oui, ça se passe bien. Toujours les dames d'abord, comme on dit. Merci, madame. Le ragoût, c'était pour le monsieur avec le chapeau vert, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Oui, c'est... Oui. Oui, le rat. C'est moi, Mirko. C'est pas voilà. Ouais, j'essaie de voir. Mirko le rat. Merci beaucoup, Mayab. Avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Merci, d'accord, madame. C'est bien, mais de votre part, merci beaucoup. Ils sont aimables ici, hein. Ça change. Mieux que les deux baisseurs que j'ai quand même. Hein. Pardon? Vous inquiétez pas. T'as un problème peut-être? Hein? Y'a un problème? Du quoi? Qui va? Du tout. Tu reconnais pas la voix? Eh, je crois que tu parles trop fort, yo. Tu parles bien doucement là. Je chuchote. Ah d'accord. Ah j'ai cru que mes chats à gauche disaient que vous parliez trop fort. Ah non. Quoi? Tu reconnais pas. Qui? Je sais pas. Si il fait mal. Vous êtes pas sacro. C'est celui qui m'a tapé. Qui t'a tapé? Je sais pas, peut-être des gens pour la tombola. C'est pas lui. Peut-être il vérifiait que c'était bien ici. Non, c'est plutôt toi. C'est plutôt toi qui a tapé. Il fait. C'est notre. Je sais pas, je l'ai pas entendu. Musique spéciale pour les speed dating. Mais si tu étais avec moi. Les rendez-vous amoureux. Il m'a frappé. Ah oui, le gros. On a organisé. Oui. Qui t'a frappé récemment? Mais oui. Il fait. On l'a pas expliqué, Isaiah, ça. Il fait comme you. Il comme. T'as pas déjà dit? Qui t'a frappé? J'ai pas fait attention. Qui t'a frappé quand il parle? Après. Ce serait lequel? Je suis. Je suis taillé à droite, non? Oh non. Vous allez voir, vous allez voir. Mais non. Oh non. Non, 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 non. Mais non, ça c'est le sorcier de Bayou, c'est je crois. Oui, oui. Non, non, c'est pas. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Tiens quoi? Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na.
Je sais pas que la fait. J'ai appris à se dire un foyer chaud. Moi, je vis dans le bayou. Il y en a beaucoup qui. Je suis un petit. Non, c'était le. Je vis dans le bayou. Ouais, mais non, c'est pas lui. Ça me fait tourner la tête. Tourner la tête. Tourner la tête. Bayou me fait tourner la tête. Parce qu'il fait tourner la tête, Bayou, de Bayou, c'est l'histoire des docteurs, là, ça fait un peu peur qu'il veut. Il paraît qu'il kidnappe des personnes, il leur fait passer des épreuves, et après il te marque. Surtout, il kidnappe à la cochonnerie, surtout, oui. Et moi, je travaille à la cochonnerie. Non, pas à la cochonnerie, jusqu'à la frontière d'Elisabeth, tout ça, ils ont dit. Tout le monde. Oui, oui, oui. Un chantier, oui. Ouais, tiens, on se met tous ensemble. Aïe, chantier. 2, 3, chantier. Aïe, cul sec. Aïe, hop, yep. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, je préfère quand même les cœurs d'orange, mais bon, on va faire ce qu'il y a avec ça, oui. Oh, yo, la tête. Eh oui, ça tourne. Ah, c'est. Oui, ça tape un petit peu. Je pourrais cracher des flammes. Dis-moi, ah, oui. J'ai un bon tir à goût. Oh, ça, j'aurais bien. Ouais, j'ai un peu travaillé aujourd'hui. T'as travaillé toi aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui. Ah, tu sais pas ce qu'il m'a dit hier soir, il était content, il m'a dit en ce moment on va faire la grève à la cochonnerie. Il était content de dire ça. Oui, bah vas-y, il y a le. Ah, c'est vrai, il y a Billy. Ça va, Billy? Qui est ça? C'est un Jorio qui m'a appris ce mot, la grève qu'on va faire. Alors, et puis travailler. Monsieur le patron, apparemment Mirko veut faire une grève. Mike. Ouais. Je crois que je vais faire une bêtise. Yo, c'est faux, c'est Azurio qui va aller faire une grève. Ça vaut une convocation au bureau, ça, quand même. Hein. Ah bah Azurio, lui, il est pas là pendant un moment, donc... Ah bon, comment est-ce? Il s'est pris un coup de bateau express. Hein. Ah oui, ah c'est vrai, bah, ouais, ouais. Ça. Ben, Azurio, il travaille bien avec moi. C'est comme ça. Il va revenir pour au moins déposer tout ce qu'il a, il a dit. Ouais. Ah oui, c'est quoi, il nous laisse tomber comme ça. Mais c'est pas de sa faute. Ben oui, de toute façon, c'est avec personne bébé, de toute façon, ici. À part mon frère. Et allez, c'est reparti. Ah, je vais y avoir mon frère pour me soutenir quand même, parce que mes chiens sont pas pour moi. Hein. Ah, il t'en sur dur, je sais pas quoi. Il y avait Zorio, il me dit bien plus au travail et tout. Ah, c'était le monsieur avec qui on avait fait la tournée ici. Oui, la fête, oui. Ah, c'est vrai qu'il était joué ici, oui, c'est vrai. Il nous avait payé, il devait être de jolie, il m'avait dit à faire mes âges. Monsieur dame, est-ce que vous voulez une petite photo hein? Oui, mais moi toute seule. Encore. Il y a tous les trois, monsieur. Bah comment ça encore? Je m'aime. Ah, tu m'aimes. C'est important de s'aimer. J'aime un peu trop, je trouve, mais bon. Une petite photo tous les trois, oui. Bon, bah on va faire ça. Hein. Et après avec nous deux, mon frère et moi. Ok. Alors, on va voir. Tu m'as pillé en fait. Alors madame. Non, madame a décidé. Entre les messieurs là. Ouais, tout à fait. Allez, viens là, viens avec nous. Allez-y. On dit les perchettes badesh, tu as pété aussi, mais tu vois, regarde les monsieur. Oui. Faites attention quand même, parce que la dernière fois, votre lumière, ça va flasher les yeux. Ah oui, hein. Il faut faire un sourire. Alors, vous êtes prêts, hein? Oui, je suis prêt. Alors, dites cheese. Ah, cheese. Orange. Cheese. Orange. Magnifique, et encore, hein? Orange. Orange. Cheese. C'est bon. Attendez, je refais. Quoi? Oui, hein. Orange. Cheese. Mec, il est trop chiant avec ses oranges. Cheese. Ah, c'est bon, il a compris, c'est bon. C'est bon. Attendez, ça chauffe. Hein. Avec ton truc sur la tête, tu vas te calmer, Bigdo. Mais il est beau, mon chapeau. Monsieur, vous trouvez comment, mon chapeau? Ah, il est, comment on dit, il est poilu quoi. Mais c'est bon ou t'as fourrure de ton chapeau, comment c'est un peu moisi. Il est en train de pourrir, oui. Bah, ça commence à être vert, je crois que c'est pas beau. Oui, mais c'est la boutique où j'ai acheté, il m'a dit, c'est ça vaut la dure ça. Ah oui. Oui, du coup, il l'a acheté. Oh, pas chaud. $3, il l'a acheté. D'accord. Oui. $3 pour acheter un truc qui est en train de pourrir. $3, c'est équivalent maintenant, d'après ce qu'il m'a dit mon frère, 9 oranges. À 2 heures, c'est 2 euros. Alors, 2 euros, c'est équivalent à une pipite. Oui, oui. Une pipite, 2 euros. Eh oui. Alors, je vous mets ça sur la table. Ah, merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup. Et voilà, regardez. Je trouve qu'il est trop stylé cet endroit. C'est Morales, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, parfait. Hein. Chez madame. Oui. Alors, elle est super belle. Mais. Mais il y a deux taches sur la photo. Voilà. Ah, voilà, ah, tout à fait, ça. Incroyable. C'est, y a ah, oui, bah oui, mais c'est ça, c'est quand il y a ma belle-sœur et mon frère à côté, forcément, il y a deux taches. Ah, bah c'est... voilà. Bah, profitez, c'est cadeau cette photo. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. De rien, avec plaisir. Est-ce que je pourrais faire une photo, moi, tout seul? Bah, oui, on peut faire ça, mais c'est payant alors. Ah, oui, d'accord. Bah, non, merci alors. Moi, c'est un dollar, ça va. Hein. Mais c'est vraiment un rush. Non, un dollar, allez. Tu veux pas te donner un dollar, quoi? Un dollar, tu as dit. Ah oui, hein. Merci beaucoup, ah, pour le c'est gentil. Hein. Merci beaucoup, vous voulez faire la photo maintenant, hein? Ah bah oui, il est pas patient. Non, mais quand vous voulez, mais par contre, je l'attends. Alors, hein. Alors venez, hein. Ah. Et après, je te paye une photo, Isaïa, viens avec moi. Vas-y, c'est qui te peut. Ah oui, mais ah, du coup, il m'a dit hier qu'il voulait faire une grève à côté de lui, tout ça. Bon, moi... Ouais, il m'a dit, cher, je préfère te redire parce que si jamais, ça peut froisser les affaires. Oui, on l'attend. Exactement. Salut l'ami, comment vas-tu? Vous savez, je vous entends depuis tout à l'heure quand même. Ah, je suis. Je suis pour chaque lady. Non, mais c'est rigolo, Billy, d'entendre ça quand même. Hein. Moi, ça me fait rire. Et par contre, ça, c'est vrai, hein, c'est l'autre monsieur qui lui a dit de faire grève. Oui, mais vous travaillez pas à Cotonou, donc. Ah bon? Ouais, boyo. Très bien, vous. Vous êtes tout seul, non? Été à la guerre au Mexique. Mais oui. D'accord. Un grand homme comme vous, tout seul, même pas en campagne, là. Comment ça va, l'ami? Est-ce que tu fais de la forme? Aïe, aïe, aïe. Faudra qu'on fasse un service pour les hommes seuls. D'accord. Oh non, pas besoin. Ah, vous êtes sûr? Oui. Sûr, hein? Sûr, je suis sûr. Mmh, une petite femme, là. Ça vous plairait pas? Non, pas besoin. Je suis toujours à de France, mais... Je vois, ton cœur il est déjà pris, c'est quoi là? Non, c'est qu'il n'est jamais à prendre. Il n'est jamais à prendre. Oh là là, t'es quelqu'un de noir, toi. Hein? C'est monsieur comment déjà? Billy Sharif. Billy, bien ça. Ok, bon Billy, je vais pas te déranger. De toute façon, ils t'ont déjà pris la commande, non? Oui, vous inquiétez pas. Ok, parfait. Allez, je te dérange pas trop. Du coup, il va faire sa photo, je sais pas si. Ah oui, il est là-bas, je vois d'ici. Mm-hmm. Il est à l'emplacement où il y avait la diable qui faisait de la voyoche. Ouais. Tu vas voir, je pense que le ponton il va s'écrouler, il va couiller. Bah, le photographe, non, je lui souhaite bonne mal. Bon, après, Mirko, tu vois, enfin. On va voir s'il me paye la photo. Je le laisse tranquille. D'accord. Pour la photo, je le laisse pas tranquille. Non mais Isaïa. Oui. Entre toi et moi. Oui. Mon chapeau est horrible. Ouais, je crois qu'il y a fourrure. Elle a boisi, je crois, la fourrure. C'est une couleur verte, je crois qu'il y a un projet. Bah oui, hein. Je sais pas, il y a un truc mort au-dessus. Hein. Bah c'est odeur que je sentais, oui, je crois que ça vient de lui. Ah oui. Bizarrement, là, ça sent bon. Ouais, voilà. Depuis toi, c'est lui. Je crois aussi, oui. Ah, bonjour. Bon, finalement, on est arrivé à l'heure. Hein. Oui, j'imagine que s'il va perdre, il va pleurer, je pense. Il va pleurer? Oui, je pense que oui, il va pleurer. Il est pleureuse comme toi? Moi, je suis pas pleureuse, je pense. J'ai juste pleuré quand on a eu la bijou, si tu rêves de bobo aussi. Oui, t'arrêtes pas de pleurer. Ah, en ce moment, tu t'es calmé. Ouais, bah bien sûr, j'ai pas de région. Bah non, j'ai deuxième bijou, écoute, je trouve que j'adore, bye, quoi. C'est la première bijou, tu vois, j'étais ému, c'était un rêve de bobo, ça. Ouais, t'es belle, hein. Oui. Je parle pas de moment. Hein. Tu parlais de la bijou? Oui, je parle de la maison. J'ai bien compris, oui. Ah, oui. Mais regarde ce qui est sorti le dernier, regarde-moi ça. Kirusha Baba, bon. Il y a eu un cafouillage dans la recette. Hein. Messieurs, oui.
Oui. Je vois l'assaut. Là, je parlais pas à vous, monsieur. Ah bah. Un peu plus aimable quand même, non? Et on. Habilité. Je sais pas encore. Je trouve qu'il est aimable comparé à Yoit. Mais... Oh la tronche. Ah, là, c'est beau, j'ai les photos. C'est beau? Ah, si vous voulez leur montrer, vous pouvez, hein. Oui, tu t'as fait. Tu peux votre gracia, oui. Ça va, votre appareil photo, il va bien? Oh, il va bien, il va bien. Ah, oui. Bon, c'est principal. Ouais, je nettoie de temps en temps, parce que voilà, mais bon... Vous comprenez, hein? Ah oui, oui, oui. Certains pour un peu trop de lumière. Ah ça, c'est vrai. Ça épuise les pièces à l'intérieur. Oui, c'est vrai, c'est. Bon, allez, à mon tour. Ah. Du coup, tu me payes la photo? Bien sûr que non, oui. Profite pas du ma gentillé. Oh le rat. T'as vu, hein? Tu vois un peu ma famille, comment elle est? Ouais, mais... Ouais, allez. Ouais. Merci. Tu rires. Bon, j'arrête pas de donner de l'argent, je leur ai acheté tous les chevaux, je leur ai acheté toutes les herbes. Bah c'est toujours comme je ça. Je paye tous les loyers, j'arrête pas. Et t'as vu, tu bouffes encore un dollar pour une photo. Oui. Et Cariole, c'est moi qui les ai tout acheté, c'est incroyable ça. Et regarde la photo. Ah c'est pas possible. Donc messieurs, mesdames, je vous informe que on fera la remise à 21h30. Ça laisse 10 minutes aux gens d'arriver encore s'il y a des retards d'accord. D'accord, Wajeb. Merci, Wajeb. Voilà. Tiens. Ah, tiens, regarde l'affiche. Ah oui. C'est sur l'affiche pour une photographe. Regarde, j'y arrive, ça. Ouais, tu as vu ça? Regarde l'action d'un Badiash que Wajeb. Ouais, elle croit qu'elle est Badiash, mais je sais pas du tout. Ça va, Wajeb? Pourquoi ça, Kikyo? Ah, je vous la montrerai pas. Bah, attention, c'est moi, donc ça m'arrange. Mais non, mais il y a un problème sur la photo. Ah, ah bah, vous me voyez avec mon maquillage, je me suis maquillé ce matin. C'est vraiment. Oui. Ouais, oui, j'ai vu ton maquillage, oui. Non, mais attendez. Ah. Attends, fais-moi ça, je me suis maquillé ce matin. Oui. C'est quoi, c'est vous le voyez? Oui. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est ça, ma vous allez, vous le voyez. Oui. Ah, je vois. Bien. Oui, y a pas. Ah, oui, ah non, ils me verront comme bah, si je venais de me réveiller, tu vois. Allez, fais voter, c'est beau. Non, non. Fais voter. Non, y a que Zozo qui me voit comme ça. Ah, allez, comment je suis quand je te vois au réveil? C'est la nuit, je te vois, quand tu dis rien, on dirait à côté. Quoi, tu dis à côté? Qu'est-ce que tu as à côté? Ouais, c'est quoi ce bordel là? Quand tu les rejoins durant la soirée dans leur lit, c'est quoi cette bêtise? Non, bah non, mais ils sont courus, t'as bien vu. Mais ils se seraient la gueule par Zozo, je te le dis. Mais ça va pas, ça. Ah, c'est pour ça que t'as peut-être un néon trompette comme ça, là. Tu vois, c'est ça, c'est Zaya qui me les casse à chaque fois, mon dieu. Je vois pas que tu paries. Oui, hier. Ah, c'est... Tu vas encore mettre un coup dans le dé, dans le pif, oui. Oh, c'est bien ça. Allez, oui. Oh, chiant. Allez, qui commence à boire, j'ai soif. C'est incroyable, tu vois. Attends, parce que elle va tirer la tchaboya, il n'y a pas eu que là, dans 6 minutes, elle a dit. Ouais, mais j'ai soif. Ah, bah attends, soif fort, moi, si jamais. Oui. Attends, il faut que je boive avec lui, sinon je vais lui crouiller, je crois. J'ai pas eu boire mon eau. Enfin, il boit une bonne. Il a des boyades, si, yo. Ah, puis, un voyage. Ou t'as une bouteille. T'as à boire, tu vois? Ah, c'est une bouteille d'eau qu'il y avait à la bio. Oh, Jojo. Elle est peut-être empoisonnée par Agno. Non, non, celle-ci, elle vient du monsieur dans le Nord, qui est dans la neige. Il l'a acheté, hein. C'est Olo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Il a dit bonsoir. Il a dit voyage, quoi. Ah, il faut que tu leur demandes du Birko la formule de politesse qu'il a appris. Attends, c'est. Olia. Olia quoi? Ah là là. Olia pas bonne. Olia, Olia. Comment t'étais? Non! C'est comme ça?
Ah, c'est cher, oui. Non. Eh, mais faut que je vous le dise en quelle langue qu'il faut pas dire ça. Bah, ça veut dire que. D'abord, moi, c'est une héroïne. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, je cite, Shayu Koboshava, Tababor, c'est une héros, on m'a dit. Oui, oui, oui. Ben, celui qui t'a dit ça, et ben, il te veut des problèmes. Voilà. Mais non, il n'y a pas de problème. Ah, si. Tu crois? Bah, si, c'est mieux. Non, écoute pas, elle comprend rien. Elle. J'ai été à l'école. Ouais, mais voilà, elle s'en vante maintenant. T'as vu, elle s'en vante toujours, mais ah, ben, elle sert à rien nous apprendre. Ça me sort bien des problèmes. Écoute, moi, je suis allé à l'école, ça a duré une journée. J'ai utilisé. Ouais, bah voilà, bah une journée t'as pas de temps. Mais moi j'étais à l'école, mais j'étais moi j'étais doué qui m'ont gardé, mais ils m'ont fait sauter tout ça. Enfin, du coup, ils ont pas voulu de moi. Parce que je suis trop doué. C'est tout ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la famille Fierka, il est doué en tout, hein. Bien oui, sûr. Bah oui, oui. Surtout dans les affaires, les affaires, oui, c'est ça, hein. Et il sera plus tard être pris dans une orangerie, non pas du tout, parce que la voyante elle a pas dit ça. Mais moi, en affaires, je serais pas trop du pays, ouais. Oh, sûr. Moi, je gérerai le gouvernement du pays, et Isaiah, il sera le gouvernement de tous les entreprises, oui. Surtout la banque, on m'a dit que qu'un jour je tiendrai une banque et j'aurai plein de la gueule d'or. C'est même monsieur Karl Brown qui m'a dit. La 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 la. Ah bon, ça. Tout à fait, allez, jalouse. C'est même monsieur Karl Brown qui m'a dit. C'est un monsieur, je l'appelle monsieur Foydeg. Ah oui? Oui, j'ai connu au tout début quand je suis arrivé dans le pays. Et c'est immeuble, on est des petits réguliers avec. Qui ça? Monsieur Foydeng, Karl Braud. Karl, c'est notre Karl. Karl. Carré. Karl, encore un Karl. Oui. J'ai bien compris. Yo. Je crois que c'est ça, c'est Karl. J'ai pas de petit, je crois. Oui, oui, non, c'est ça, oui. Tu le connais, toi? Oui, on l'avait connu. Oui, tu l'as vu. Quand on est arrivé dans le pays. On n'arrêtait pas de le croiser, pas ça. Bon, tu penses à qui parie sur moi qui va gagner? T'as perdu. Mais non, il parie, c'est sur moi 10$. Et si je gagne, je rentre 20$. Tu crois vraiment que tu vas gagner? Oui, c'est sûr, j'ai gagné, oui. T'as gagné un andragou. Ah, c'est bien ça, franchement, moi j'adore tous les jours ici. Je serais mieux ici. 3 fois par jour, oui. Bah tiens, midi soir, je viendrai comme ça, moi je pars en général. Je sais ce que t'as gagné. Le cours de cris d'animaux. Oh, ah, ça serait bien pour mon aigle. Oui. Monsieur dame, je vous présente la mascotte de la guinguette. Ah, c'est pas fait. Regardez, hein. Oh, mais c'est trop mignon. La mascotte de la guinguette. Oh, il est trop mignon. T'as vu, j'ai fait ce brillant juste avant, quoi. Oh, bonjour. Oh, il est trop kiki. Oui, et on l'a appelé... Il s'appelle Kuzuko. Kuzuko. Allez, crachez-le pas, messieurs. On peut le manger. Ah, là, c'est pas à manger, non. Ça, messieurs. Messieurs, dames, est-ce que. Mange pas le T'es japonais? Oui, il est japonais, oui, il vient du Japon. C'est un cochon du Japon aussi, je vois. Je connais très bien cette race. Ah, oui, c'est pour ça qu'il est tout pussy. Oh, il est trop kikié. Bon, messieurs, dames, on va commencer l'annonce des premiers lots. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, monsieur. Formidable. Oui. Déjà, je vous remercie tous. De vous être déplacé et d'avoir participé à la première tombola de la guinguette. À la base, il y avait des lots qui devaient être individuels. Au vu du nombre de participations, on a décidé d'être un petit peu plus généreux et d'attribuer des lots à plusieurs personnes. Ah, c'est sûr qu'il y a encore plus de gagnants. J'espère qu'il y aura de la cocaïne. Hein. Quoi? Quoi? Oh, ah, bonne blague. Alors, on va commencer par les gagnants. Des 3 premiers lots, à savoir le cours de danse, le cours de séduction et le cours de cris d'animaux. C'est pour lui. On va commencer par le cours de cris d'animaux, messieurs, dames. C'est pour lui. Et le premier numéro tiré sera roulement de tambour. Ah, c'est pas de tambour, attends, attends. Peut-être un petit roulement de tambour, Rebuck. C'est pas un roulement de tambour, là. C'est pas grave, Il y a une métallo, il y a tout là. Attends, je refais. Vas-y. Bon, le suspense est insoutenable. Bon, parfait.
Le premier numéro pour le concours de cris d'animaux est le numéro 313. Monsieur Willy Banjo, est-ce que Monsieur Willy Banjo est là? Je ne crois pas, non. Je ne pense pas. Je ne crois pas, bah, c'est pas qu'à gagner. Ouh, bravo, allez, ouh. Bravo. Bravo. Oui. Il n'y en a pas qu'un seul pour le cours de cris d'animaux. Il mais y a non, un deuxième gagnant. Mais non, incroyable. Plusieurs gagnants par lot. Irko. Deuxième roulement de tambour pour le cours de cris d'animaux. Deuxième vainqueur. Le numéro 180, monsieur Johnson Fisk. Bravo, monsieur, bravo. Bravo. Vous pouvez faire de la... aller crier, vous aurez des techniques pour aller chasser avec les chiens comme ça. Ah bah c'est parfait, c'est... Bah voyez-vous. Ça tombe bien. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Exactement. Oui. J'en peux plus. Ensuite, de... nous allons passer au cours de séduction, messieurs dames, le cours de séduction. Alors là, il n'y a pas un gagnant, il n'y en a pas deux. Eh bien trois, oui, messieurs dames, vous avez bien entendu, trois gagnants. Incroyable, j'ai trois chances de gagner. Donc faites attention à la concurrence, messieurs, parce que plus tard nous aurons trois séducteurs hors pair dans cet état. Alors là. J'ai un espoir. Je crois que c'est toi. C'est là, c'est beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est Buck qui dispense le cours de séduction? Peut-être, ça c'est mystère. Y a pas une Laura dans le dos là. J'en peux plus. Je sais même pas. Ok. Alors. Oulala. Le premier numéro tiré pour le cours de séduction est le numéro 100. Monsieur Osman Tokachi. Bravo monsieur, bravo. Félicitations. Bravo. Ah, séducteur. Oh, père. Attention à la concurrence, messieurs, faites attention à vos femmes. Parce qu'elle risque de partir avec monsieur Tokachi dans pas si longtemps que ça. Ah, tu vas arriver, cousin. J'ai pas peur de toi, je vais vous passer la femme directement. Par contre, volez pas la femme de votre cousin. Ça fait 10 du et j'ai gagné. Ça serait bête, effectivement. Attention, monsieur Tokachi, vous avez de la concurrence parce que il y a encore deux autres gagnants pour ce lot. Et le prochain numéro est le numéro 307, monsieur Heiner Fries. Aïe. Ah, oh putain. Pas mal, mon dieu. Monsieur Heiner Fries, il est pas là? Non, je l'ai pas vu, non. Eh ben, je note ça et on le recontactera. Il a rien. Attention, M. Tokachi, parce que ça, c'est un jeu, ça peut vous faire de la concurrence. Ah oui, hein. Voici une mission. Parce que si c'est moi qui tiens, attention. Alors n'hésitez pas, excuse-moi de te couper. Alors pour les personnes au cours de sélection, bien sûr qu'à la fin vous allez recevoir le meilleur des certificats. Comme ça, vous pouvez le montrer aux belles dames pour dire que vous êtes un grand parleur. Un grand match. Ah, je rachète le ticket. Ah bah ça. Surprise, messieurs. Ah d'accord. Surprise, bien évidemment. Vous inquiétez pas, c'est les meilleurs. Pour le dernier gagnant du cours de séduction, dernier roulement de tambour, s'il vous plaît, Buck. Oui, c'est parti. Hein. Nous avons monsieur, alors le numéro 18, monsieur Jelly Tokachi. Ah, bravo, monsieur, bravo. La concurrence va entre familles. Mais c'est beau. Oh, mais s'il vous plaît, pas qu'à vos frères, dis oui. Mais ouais. Comment j'ai fait la procédure avec femme? Et maintenant, comment j'ai fait? Mais je pense qu'on a trop d'émotions, on va faire une petite pause, non? Ah non, on va faire les trois cours d'un coup. Allez, c'est parti, monsieur, vous avez de la chance. Et ça sera le cours de danse. Ça peut aider pour la séduction, attention. Faire tomber la femme, oui. Ah non, comme ça, je vais vous montrer comment j'ai réussi à conquérir ma femme. Ce sera moi le prof de danse. Ah oui, c'est monsieur Buck, le... Oh là là. Ah oui, il a deux pieds gauche, hein. Voilà. Ouais, j'en ai dit trois, et du coup, nous avons également pour ce lot-là trois gagnants, messieurs dames, trois gagnants. Le petit roulement de tambour, hein. Ah bah comme toujours, bien sûr. Et allez, c'est parti, hein. J'aurais mis un roulement de tambour plus long, mais ça. Et le premier numéro gagnant est le numéro 29, Kathleen O'Brien. Bravo, madame. Félicitations. Madame n'est pas là. Non. Décidément, tous les gagnants ne sont pas là. Quel dommage. Hein. Mais ils seront recontactés. Les femmes, ils savent danser, c'est les hommes, faut se faire gagner. Pour le deuxième gagnant, toujours du cours de danse, nous avons le numéro 304,
Monsieur Jack London. Moi je vais sauter dans la gueule, je n'ai rien autre chose. Oh bravo, bravo. Félicitations. Décidément. Il a rien. Oh bon sang. Non, quel dommage. Bah non, c'est les ballerines. Et le troisième et dernier gagnant pour le cours de danse. Attention, dernier roulement de tambour. Oui, c'est parti, c'est parti. Et c'est le numéro 145, et encore une fois, ah, monsieur John Smith. Félicitations. Vous avez deux cours. Je donnerai gentiment à mon frère. Incroyable. Avec le cours de cris d'animaux et de danse, vous aurez pu danser avec les animaux. Ah ben danser avec les chiens. Pourquoi pas. Je peux allier les deux ensemble, évidemment. Oh putain, il m'envoie des couilles en l'air. Bon, très bien. Eh ben, je vous laisse, messieurs, dames, profiter encore un petit peu plus de temps de la soirée. Et je reviendrai vers vous pour annoncer la suite des loups. Des loups. Hey. Ah oui, tu sais, pour picoler qu'on paye. Voilà, mon gagnant. Messieurs, dames, n'hésitez pas à profiter de la soirée. Consommer. Hein. Ce n'est que le début. Hein. Bah, Jab. À qui tu paries? C'est moi que vous avez la oui, c'est au pied. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez vous servir? Est-ce que vous avez de la limonade? Je regarde ça tout de suite, mais normalement, oui. Ouais, je veux bien un petit whisky, bah, bonjour. On dirait un rat de loin, par contre, il est vraiment trop petit. Et toi, tu veux quoi, Yé? Petite vodka bien encore sûr. Pour moi, s'il vous plaît. Bon, bah, à limonade et à whisky, madame. Ça coûte combien, tout ça? Je vais voir le petit cochon, je reviens, je peux pas résister. Alors, vous m'avez dit une limonade, un whisky et une vodka. Oui. Exactement. Deux whisky aussi. Mais ah, deux whisky. Mais qu'est-ce que tu dis? Deux whisky et une vodka. Et une limonade. Ok, Béticia, Monsieur a soif. Oui, il a soif, je crois qu'il va déprimer. Je regarde. Pire pas, c'est pas grave, je guide pas, t'as perdu. Mais attends, c'est pas fini. Comment je vais faire pour chez du femme, moi, je sais pas faire ça. Je te dis, tu finiras qu'une poule et puis c'est tout. Oh bah d'accord, oh, super. Enfin, Maria. Oh non, en bossant. Hello. Oh ma soeur, ça va, y a un mariage. Regardez Karl. Hein oh non, je vais me mettre une robe blanche. Ah oui, non. Mais... Ah bah, il a cru que tu étais un mariage. Que... Ah, c'est bien, ça t'a dit. C'est jamais, on dit pas tout. C'est ça, ça m'a payé. Salut Carlinou. Salut Célia. Ça va Karl? Salut Billy. Bonjour Karl. Ça fait 2,06$. Ça va? Du coup, oui, tranquille. Mirko, 2,06$. Je vais vous récupérer le conso et je reviens. Merci, Mayab. Excusez-moi, merci. Ça va, Célia? J'ai que 2$. J'ai que 2$. Ça va, Carrie? Tu te fous de ma gueule là. Ah, ça te va bien, Carrie? Caca aurait ça. Je suis quand je te par connu. T'as vu Sabi? Ah, c'est pas ma faute. En plus, on a pas. Eh, hey, Seigneur, ça doit être payé, j'ai pas assez. Mais va chier, j'ai pas de thunes. J'ai que 5$. Ah, bah c'est bon, c'est 2,06$. Bah, tu le payes. Mais j'ai que 2$. Bah, tu te démerdes, t'as 200$ de côté. Il les a. Non, c'est vrai, j'ai pas. Et tu vas à la banque et tu vas chercher. Je veux dire qu'il me manque 60 cents, je te l'ai donné. Ah, attends, j'ai pas. Ah oui, bah là, tu les as pas donné à moi, Bouchon. Ah bah t'es là, toi. Bah bien, c'est qui les a. Bon, monsieur. Ah, je sais pas. Tu joues à 2,10$. Ah, ils sont encore dans le tâche. Eh bah, tu demandes à faire une facture. Dites-moi, c'est quoi ce cirque ici? Ah, IQ. Merci. Ah, merci. Ah, voilà, bah, je te donne pas alors. Ah, si, tu peux me donner aussi, du coup. Bah non, il t'a donné. Oh, Bouchon. Toujours mon frère qui doit te donner quand même. C'est autre chose, ça. Bah, les femmes, ils paient rien. C'est ton frère, c'est normal. La prochaine fois, tu paieras ta boisson, d'accord? Ah oui, ah oui, j'ai bien compris. Hein. Présentation. C'est quoi cette tenue qu'elles ont, les femmes, pantalon comme ça? Elles mettent deux trucs en même temps, quoi? Ah, Karl, c'est bien, vous voulez boire, parce que moi, j'ai pas assez. Hein. Faudra payer, il faudra voir avec Yaya ou Isaiah. Karl et nous? Non, ça va, j'ai de la limonade. Tu penses quoi de son chapeau, Mirko? Alors. C'est original. Mais sa fourrure à la boisie. Mais il y a pas un peu de mousse dans sa fourrure. Si, à la boisie. À la boisie, sa fourrure, c'est pas de la bonne fourrure. C'est de la fausse fourrure, c'est ça? C'est de la fourrure de quel animal, ça? Non, c'est de la vraie, mais elle est boisie. Elle est en train de pourrir. Mais non, elle est pas boisie. Ils ont ramassé un truc mort au bord de la route et ils ont fait un chapeau avec. C'est pour ça qu'elle était pas très chère. Je me suis roulé dans l'herbe, c'est tout. Je me suis roulé dans l'herbe. Oui, madame. Parfait. Du coup, la limonade, c'est pour qui? Pour lui encore. C'est pour lui. La personne debout, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et un whisky, pour... et un limonade pour moi. Oui, tu sais, c'est pas d'agir, moi. Ouh là là. Oui, mais il va où le cheval? Mais j'essaie de... Il va où ce cheval? De le renvoyer, là, je sais pas qui il est. Oh, ah, c'est bon. Merci, madame.
Tiens, regarde, il y a le cheval de Mirko qui passe. Non, il y a surtout le... Regardez, regardez le petit cochon. Bah oui, il est trop kiki. Il vient d'où déjà ce cochon? Je suis merci plus. Madame. Avec plaisir. Il vient de Chine. Ah oui. Ouais, très beau cochon, hein. Il écrasait le pas, hein. Ouais, Célia, tu veux boire un truc? Elle dort à la maison. Oh non, si y a pas, pas j'ai de la limonade sur moi déjà. Elle dort, oui. Merci okay. Beaucoup, Bayem. C'est gentil. Avec plaisir. Ça te régale. Bah moi, madame. Oui. Ouais, moi je veux bien Carlino, je te paye, un whisky. C'est non, bah c'est bon, on me paye tout le temps. Un whisky, si vous avez quelque chose comme ça. Bah, oui, faut pas que tu fasses dire que tu payes à tout le monde. Arrête, ça c'est fou. Le whisky, c'est 90 cents. Pas de soucis. Et pour madame bah, quoi, par vas-y, un whisky aussi. Allez, oh, aussi bah, un deux whisky. Allez, c'est parti, Jean. Ah, tu sais quoi, la carriole du chien mort, les roues elles sont cassées d'ailleurs. Oui. Ouais, ton mari m'a pété ma carriole. Bah oui, bah je me suis dépêché, il était en retard, on attendait Mirko, il était en retard. Eh Patrou, vous pensez quoi de mon chapeau? Mais il est beau le chapeau. Merci Billy, beaucoup. Non, pas toi. C'est gentil, vous aussi. Ah, ok. Tu se tourne. Ça va, il t'as vu mes muscles? Tu oh, comprends lui, toi ouais, c'est bien tu vois hein. C'est plus de mais qui tu oh on va se casser les bras. Vas-y détends, t'as la main tordue, tu feras attention parce que détends toi et tu vas ramener ça pour me faire ça parce que c'est bizarre. Ça y est, il y a un deuxième petit cochon. Tu faisais passer de partie d'un cirque comment il appelait ça et attends on va appeler ton autre soeur. Quand je suis ici. Oh, bon, chaud. Mesdames et messieurs, demande plaisir. Arrête de crier. On va passer aux deux prochains lots. Et c'est voilà. Quoi les lots, messieurs? Oui. Ah, parce que là, attention, pour les deux prochains lots, nous avons 4 gagnants chacun. Oh, bon, chaud. Oh là oh là. Ah oui. Incroyable. Alors, les deux prochains lots que je vais annoncer, où je vais annoncer les gagnants, vous allez avoir l'invitation. Un speed dating ah, et c'est pour toi, c'est bien quoi. La retraite spirituelle avec le sorcier du Bayou. Moi-même. Ah, non, ça, oh bravo. Oh, je alors messieurs, je voulais petit sondage. Vous voulez qu'on commence par quoi? Le speed dating. Ah, un speed dating. Bon, ouais. Speed dating, oui. Et ouais. On va partir sur le speed dating. C'est parti, c'est parti. Donc du coup, roulement de tambour, hein. Exactement. 4 gagnants pour le speed dating. J'ai 4 chances de gagner. Attention, au premier roulement de tambour, Buck. Ah, il s'améliore, il s'améliore. Le numéro 69, monsieur... Ah non. Je saurais pas monsieur, plus dire 79. 69, là, n'importe quoi. 69, madame Kathleen Baker. Ouh oh, félicitations. Bravo, Bayem. Wow. Vous avez gagné le speed dating. Ensuite, le prochain. Le numéro 309, monsieur Vesting. Ah, il fait pas que je dis enfin, mais c'est bravo, c'est du Auriel Vesting, précisément. Auriel Vesting. Ouh. Allez, ouh. Finir vieux garçon, on hein, cherche pas. Troisième, non. Pour le speed dating toujours. Le numéro 93, monsieur Osman Topachi. Osman, tu manques beaucoup aujourd'hui. Ah, voilà, non, mais moments, dis donc, Osman. J'ai combien de tickets? Pas vous, monsieur. Beaucoup, beaucoup trop, hein. Beaucoup trop. Partagez un peu. Et le dernier numéro pour le speed dating. Le numéro 44, monsieur ah, non. Léon Bass. Non, mais attends, je suis là pour lui. C'est bon, Mirko, il y a d'autres lots. On te le paiera, le speed dating. Formidable. Ouais, t'as ton hibou là au pire. Et bon, on lui enverra un télégramme de toute manière. Pas de problème. Ce sera pas pour ce soir. Non. Il faut qu'on organise ça. C'est pas de problème. On te le paiera. Vous pourrez lui dire, oui, bien sûr. Il y a ma famille qui paye le ticket 100 dollars si vous voulez changer. Alors. Non. Le prochain lot, toujours 4 gagnants, la retraite spirituelle avec le sorcier. Ça va t'intéresser. Ah, ça vous intéresse, monsieur. Peut-être que vous avez gagné, on ne sait pas. Le numéro 23, monsieur ouais. John Gallagher. Bravo, monsieur. Ah, il a une c'est femme, vrai. Non là, c'est retraite spirituelle, c'est pas speed dating. Ah, okay. D'accord. Ah, oui. Okay. Mais il part, tu dis. Vous dégoûte. Pouvez prendre Mirko en retraite spirituelle aussi. Allez, le deuxième gagnant. Oh, je dois bien payer s'il se barre quelques jours. Ah, c'est un petit coup de tambour, là. Ah, oui.
Ah bah on va prendre, Ah, attention, attention, attention. Oui, hein. Le numéro 325. Ouais, je vais me soutiens. Monsieur Cade Anderson. J'ai l'impression que je suis. Bravo, monsieur. Bravo. Hey, bravo, oui. Oh, excusez-moi, allez-y. Hein. L'avant-dernier pour la retraite spirituelle. Attention, attention. Et bah, décidément, que des gros numéros. Le numéro 317. Ah, non. Monsieur Zach Gezrick. Oh, bravo, monsieur. Oh, bah alors, lui. Bravo. Et le dernier, attention, attention. Dernière chance d'avoir la retraite spirituelle avec le sorcier du Bayou. Numéro 73, monsieur Billy Dichaise. Mais vous pouvez dire ça. Bravo, Billy, bravo. Félicitations. Bravo, bravo. Félicitations. Bravo, Billy. Ah, incroyable. Hein. C'est quoi tu as pensé, Billy? Je suis 72. On a des gens très contents d'avoir gagné ce lot. Et il va nous rester encore 4 lots. Je vous laisse encore un petit peu profiter. On va annoncer juste après les 1 an Drago offert et le coaching professionnel de séduction. Oh! Oh là là! Non, non, c'est le poids en votre poids en session de coaching de séduction. De coaching perso. Bah, ça peut être de la séduction, ça peut être un peu de tout. Hein. Ah, séduction pour moi, oui. Bah, ça pourrait être de la séduction. Et après, si le patron est là, sinon je ferai l'annonce. À la fin, il nous restera le bateau flambant neuf et les 100 dollars. Ah, ça, c'est bien aussi. C'est éclatant. Je vous laisse profiter. Si vous voulez encore manger ou boire, n'hésitez pas. Aïe, 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 payé. J'ai quelque chose à vous dire en avant-première. Oui, oui. Oui. On vous écoute. Alors, bientôt, à Guinguette, il y aura une petite soirée spéciale. Une spéciale soirée blague. Ah, ben Mirko, tu pourras t'inscrire. Oui, alors ça va être il aura un jury, et il aura des frais d'inscription, et le gagnant pourra gagner une grande somme d'argent. Oh, c'est riche, je vais montrer. Ah, ah oui, donc je vais être le plus nul des plus grands. Ah bah incroyable, donc je vous dis en avance, préparez vos blagues. Hein. D'accord. Donc, et allez, après je pense qu'il aura un petit cadeau, qui sent bien l'argent, quoi. Ah, si c'est 100 dollars, c'est parfait, moi je serai. Magnifique, hein. Et après, on va bientôt organiser d'autres événements, hein, à la Guinguette. Hein. D'accord. Ouais, de mieux en mieux. Hein. Ça, c'est parfait, je suis bien heureux. C'est la première fois, enfin, depuis l'ouverture de la Guinguette. Ah bah, on essaye de changer un petit peu ce que peuvent faire les autres saloons, des choses comme ça, donc... Ah, ça, c'est bien, ça. Continuer. Oui. En plus, Saint-Jean-Droit est magnifique. Ah, voilà, oui. C'est ça. Ah, mais merci à vous d'être aussi réceptif et je suis content quoi, de vous voir ici, hein. Ça fait plaisir. Hein. Moi, merci même, à vous monsieur. Surtout d'être présent et d'ouvrir très chevaux. Bah, on fait tout le possible. Hein. Après, vous ça change un peu, ça fait du bien. Ah, je pense que bientôt, si on commence vraiment à avoir l'affluence et beaucoup de gens qui viennent, là c'est sûr que mes collègues, mon ami le patron va recruter du monde, ça c'est sûr. D'accord. Donc je pense qu'on fera une affiche ou après peut-être bouche à oreille, vous allez entendre parler qu'on recrute. Donc après les personnes qu'on recrute à Guinguette, il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels. Ah, je suis exceptionnel, moi, vous pouvez le dire à ma famille. Ah oui, hein. Je vois quand même vous êtes un rat pour faire des photos aux gens, mais sinon c'est pas grave. Ah voilà, merci monsieur. Oh là, il m'a mis une épine du pied. Ok, d'accord. Ouais, t'es un rat. Mais non. J'ai pas été un genre, là. Ah bah vous inquiétez pas, hein. Voilà. Vous savez ce qu'on fait, hein. Quand vous veniez, si un jour vous travaillez à la Guinguette, vous me donnerez, pour vous excuser, vous me donnerez 50% de votre salaire, hein, pour une semaine, hein. Et ça me va, hein. D'accord, quand je travaillerai chez vous, d'accord, je vous donnerai 50% de mon salaire. Magnifique, par contre vous faites pas... Même les premières semaines. Incroyable, mais par contre vous faites pas qu'une heure, hein, on est bien d'accord, hein. Soyez présents. Ouais, 7 heures. Incroyable, magnifique, hein. Ah, oh, vous allez me remplir les poches, vous, hein. Oui, tout à fait. Ah, magnifique, j'adore ça. Ouais, je suis un beau employé, moi. Ah oui, hein. Oui. Bah, j'ai hâte de voir ça, non. D'accord, bah, j'aiderai au recrutement. C'est voilà. Pour ça que tu veux faire la grève à la cotonnerie, c'est ça? Non, mais c'est Azurio. Parce qu'il prévoit de faire une grève chez nous, hein. Moi, je dis ça. Non, c'est Azurio qui a parlé de ça. Ok. Ah, vous êtes venu avec un lot. Ouais, oui. On va mettre dans le contexte. Et vous recontacterez, on fera sûrement une session. Alors, on vous laisse encore un petit peu plus patienter. On va faire bientôt les prochains lots. Et monsieur, si vous me croyez pas, ça, la petite retraite spirituelle, en plus, en tant que patron, ça va vous faire du bien. Oh oui. Oh oui. Je suis sûr qu'il va dire des bêtises.
Ah, écoute, monsieur. Alors, je peux vous dire que monsieur, il sentait quand même un peu mis à l'écart à cause que vous pensiez que c'était un rat. Et franchement, il a été gentil avec moi. Ah oui? Même, il vient me donner 5$ pour ma gentillesse et ma politesse. Oh, bah, chiant. Ouais, il y a tout à fait. Tu les as eu, ces 5$? Mais je les avais sur moi. Parce que je croyais qu'avant, tu avais pas de l'argent. Mais c'était pour offrir à monsieur. Pour ça, oh, ses photos c'est et sa gentillesse, mais qu'il croit. Oui, allez. Non, ouais, mais c'est vrai. Hein. Vous avez vu, monsieur? Oui. Ils sont toujours comme ça. Même quand ils sont comme ça. Bah, attention, la prochaine fois, qu'on viendrait ici, vous leur ferez plaisir. Tout à fait. Prochaine fois, je paierai la tournée. Ah voilà, magnifique. Hein. Oui. Et comment vous faites les factures? Vous y avez une petite trace? Je crois que oui, si je me trompe pas, oui. Parce que j'ai fait à la fin de l'inauguration, j'ai payé une tournée. Et ils me croient pas. Ah, alors là. J'ai payé 9$ et c'était du whisky. Ou c'était 8$, je sais plus. Alors, je vais pas vous mentir que là, ça va être dur de contrôler ça parce que. On va dire que la guinguette a bien marché pour la soirée d'inauguration et là maintenant. Donc, Oui, je peux comprendre. Et donc, aller dans les papiers pour voir qui a acheté. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, la prochaine fois qu'on viendrait en spa ici, faudrait que vous soyez là en tant que témoin. Comme ça, moi, c'est sûr qu'il me croit. Et ouais, vous voyez aussi. D'accord, avec plaisir. On fait ça. D'accord, parfait. Quoi, ils ont disparu, ils sont fait kidnapper encore? Je ne vois plus ma soeur, je ne vois plus Carly. Merci, monsieur. Ah. C'est Buck, c'est ça, oui? Buck, oui. Buck, d'accord. Messieurs, dames, tous à vos tables. Messieurs, dames, c'est parti pour le nouveau tirage au sort. Oula. Hey! Oh, pardon. Oh, il est chaud, il est chaud. Je voulais détacher mon collègue. Arrête. Mais non, mais libère-le. Voilà, Kofi, je vous libère. En tout cas, j'ai déjà fait sur toi. Mais vous pouvez encore enchaîner. Bah, je peux me coller, attends. Vivement que je travaille ici. Je coupe, je baisse un petit peu. Alors, messieurs, dames, les deux prochains lots vont être les 1 an du ragoût offert et votre poids en coaching personnel. Est-ce que... Où est mon tambouriste? Je suis là, vas-y. Alors, on va d'abord annoncer les 1 an de ragoût offert. Allez-y, roulement de tambour. Le numéro 192, Nixon Koch. Merde. Félicitations. Et maintenant, nous allons passer au poids en session de coaching personnel. Oh là là. Et il y aura deux gagnants, mais c'est là, pas un, deux. Oh là là. Allez-y, c'est parti pour le premier. Roulement de tambour. Le numéro 667. Bien du bureau. Aido Tokachi. Ouais. Bravo, monsieur, incroyable. Le deuxième. Bah, il est où, monsieur Aido Tokachi? C'est moi. Oula, bah oui, vous allez pas avoir beaucoup de sessions, vous. Ah. Bah oui, c'est en poids. Ah merde! Vous allez avoir quoi? 3 sessions? Attends, c'est quoi le récompense? Votre poids en session de coaching. C'est quoi ça? Vous verrez, Tokachi, c'est moi qui vous occupe de vous. Hein. Ah, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, le deuxième, le numéro 2. Ah bah. Ouh! Deux, bravo. Le numéro 2, monsieur Alejandro Garibaldi. Bravo, lui. Oui, ah, bravo, monsieur. Ah, mais il est pas là. Je sais pas si c'est un gros monsieur ou un petit monsieur, ça. Il est bien gros, monsieur. Il est bien gros. Voilà. Il est bien enrobé. Ah, bah, comme il est gros, il aura une grosse session. Il est compris. Il pêche avec une cagnotte. On va attendre, normalement. Le patron ne devrait pas tarder. Et c'est lui qui va vous annoncer le gagnant du bateau flambant neuf. Et des 100$. Normalement, il devrait pas tarder. Ah, il gagne les deux. Non, c'est deux gagnants. C'est deux gagnants. Ah, sauf si c'est la même personne. On sait jamais, peut-être encore un Tokachi, ça continue. Ou encore monsieur Fisk. On fait moi de pourquoi pas. On fait 50-50. C'est fort possible. Hein. Ah, c'est ton concurrence, man. Ah oui, vous êtes deux concurrents. Aussi, non? Ah bah pourquoi pas. Achète plus de tickets, Osman. La prochaine fois. Moi, je n'ai pas de concurrent. La prochaine fois, j'achète 100 tickets. Parce que c'est lui qui a le bateau. T'as pas de concurrent. Ouais, j'ai le bateau. T'as acheté combien de tickets? $50. On va faire des petites virées. Yermé.
Chuch. Prochaine fois, j'achète tous les tickets, comme ça, je gagne tout. Putain, ça se voit, t'es riche. Passe moi 50 dollars, j'ai un peu besoin. J'ai pas d'argent. 10 dollars. Moi, j'ai rien sur moi. J'ai 3 dollars. Moi aussi, j'ai rien. Putain, ça. Kada est parti. Bah oui, elle est partie chercher. Ah. Bah, je sais pas, il trouvait pas, et Karl l'aurait pas trouvé non plus. Je sais pas où il était. Ah, Karl, je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, peut-être qu'il s'y fait encore kidnapper. Oula, ça a claqué fort là. En même temps, il part tout seul à chaque fois. Comme ça, qu'on fait. C'est une blague là. Il a dit que t'avais un rire d'une truie. Quoi? Non. J'ai dit qu'à chaque fois que j'entendais des petits cochons, j'avais l'impression que t'étais dans le coin. Aïe! Elle a dit j'ai entendu rire d'une truie, je pense que je suis allé. J'ai pas dit d'une truie, j'ai dit d'une cochonne, t'arrêtes. Oui, si, en plus, Ada est parti chercher et tout, c'est comme ça que tu la remercies. Je suis inquiété. Oui. J'ai dit je reviens. Bien sûr. La famille, tiens, Guillaume, quand je parle, à chaque fois que je parle, personne n'écoute. C'est incroyable, monsieur. Tiens, Guillaume, des familles, tiens, voilà. C'est incroyable. Messieurs, dames, je laisse vous regrouper. Ah. Le patron est arrivé. Le patron est arrivé, messieurs, dames, on va passer au dernier lot. Là, ça rigole plus. Ah, parfait. C'est le dernier ou celui-ci? Il y aura une revanche, oui. C'est le dernier ou celui-ci? Je vais essayer de donner la dernière. Ah, oui, ils l'ont pas encore tiré, celui-là. Non. Eh ben, il faut se rapprocher. Mais non, ils arrivent. Essaye. Voilà. Ah, là, quand il veut. Oh, oh. Voilà. C'est bon. Oui. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Voilà. T'inquiète pas, t'as rien gagné ce soir. C'est pas grave. J'ai rien gagné. Ouais, peut-être que t'auras dernier lot, ça se trouve, vas-tu savoir. Oui, peut-être bien, oui. C'est le gros bateau. Bah, je te chouette, Je sais pas où on va le mettre, non. Je sais pas. Si j'ai gagné un bateau, je vous le donne. Ah, il y a Côte d'Iris. Je mettrai la Côte d'Iris. Bah, non, tu veux partir. J'avais dit chaud. Il peut rien avoir. De toute façon, si c'est du bateau, je lui donne un an. Et voilà, allez, dans vos dents. Je sais pas comment ils vont faire. Si tu gagnes. Oh, bon. Ouf. Enfin. Si tu gagnes, c'est à moi. T'as pas la coupe patron. Il y a coupe patron. Ouais. Vous faites tuer? Je sais pas. Mais je sais pas. Asseyez-vous, bonjour. Aïe. Tiens, voilà. Non, mais. Non, mais c'est quoi, il y a deux, il y a du. Je sais pas, ça se trouve, ils l'ont fait au fond là-bas. J'ai dit, c'est de l'arnaque, c'est tout, j'ai compris. Et toi, c'est de l'argent. 20 dollars perdus. Ah bah, ça, c'est ta faute, écoute. Non, c'est eux qui m'ont forcé. Bonsoir. Bonsoir, messieurs dames. Bonsoir. Mais bon. Moi, j'ai pas compris parce que je suis repassé devant tout le monde m'a redit bonsoir. Bah, oui, moi aussi. Je sais pas. On a changé de tête ou quoi? Parce que t'es badass. Ouais, je sais, je suis badass. Je crois qu'ils ont trop bu. Ah, d'accord, viens. En tout cas, pour être faudrait que tu m'apprennes quoi, Gif, qui est quoi avec moi, là. Bah, tout est dans la main, hein. Voilà. Ouais, j'ai pas envie de faire mal. Moi, me faire mal. Voyons. Voyons, Merco. T'as pas hésité sur moi, en tout cas. C'est vrai. Pas grave, ça sera répété, Zozo. Ouais, mais il va rien faire, Zozo. Merco, si tu la touches, t'es mort. Bah, c'est trop bah ça y est, c'est déjà fait. Ah, bah, t'es mort. Lève-toi. Ah, putain. Raté. Allez, bouge. Aïe. Rien du tout. Le coup en retardement. Funaise. Aïe, c'était fait exprès. T'as cru que j'allais rater? Oh, les bagnons. Il a regardé le coup. Oh, il sait pas nager. Il sait pas nager. Il sait pas nager. Mais tu sais qu'il sait pas nager, il va se noyer. Là, la corde. Il sait vraiment pas nager en plus. Ça fait partie de son personnage, il sait pas nager. Oh.
En fait, à chaque fois avec nos personnages, Mirko il fait pareil que moi. Quand on crée un personnage, il y a toujours des défauts dans notre personnage. Notre personnage, il est jamais. Comment dirais-je ? Il est pas parfait, notre personnage. Un personnage parfait, c'est pas amusant. Il faut avoir des défauts. Ah, je pense que les amis, il est en train de se noyer. Ça va, Mirko ? Ravi de vous rencontrer. Oh, je suis attiré. Pourquoi ça tire ? Je suis attiré ? Ah, ils ont pas intérêt. Chachba. Je crois que c'est des duels. Va dans la rive. Oh là, je vois trouble. Je vais aller voir ce qui se passe quand même. Oui, mais ça va, c'est pas toi qui. Chachba ? C'est bon, on t'a porté jusqu'à la rive là. Vous savez qu'il y avait juste une échelle sur votre gauche ? Là où j'étais, quoi. Un quoi ? Une échelle. Non, mais je peux rien prendre quand c'est ça. Ah oui, je vais. Mon énergie. L'échelle. Bah oui. Oh, bonjour. Vous voulez me tuer ? Oi. Rappelle-moi de noter sur un petit carnet de notes que je t'apprenne à nager. Ah, retourne dans l'eau, ma soeur. C'est incroyable. Ça va, je vais oublier. C'est bon, on t'a porté jusqu'à la rive. Ouais, mais j'ai encore eu vous n'aurez pas fait. Je vais vous annoncer les gros lots, messieurs dames, les gagnants des deux gros lots. Je t'ai dit que je t'apprendrais à nager. Ah, c'est gentil. Ouais, il est quoi ? Il y a encore du monde qui arrive. Ok, ça va. On a gagné un bateau. Oui, tu t'es bien. Ok. Je te présente mes amis. Ici, il y a Franck. Et là, il y a toute sa bande. Chantier Franck. Dernier arrive, parfait. Alors, Chantier. Est-ce qu'on est bon ? Les derniers arrivent, super. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait dire ça. Fais les roulements de tambour, Rebec, je t'annonce. Super. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, monsieur. Très bien. Oui, on vous entend. Oui. On va passer à l'avant-dernier lot. Le bateau flambant neuf. Ah, ça. Croyez-moi, c'est un navire de compétition. Problème. Vous allez pouvoir traverser les sept mers. Oh, bonjour. Il va pas couler, hein. Ah non, c'est un bateau de compétition, vous inquiétez pas. Et en plus, il est flambant neuf. Tiens, quoi. Buck, je te laisse faire le petit roulement de tambour. Hein. Kemal Tokachi. Oh. Ah, bah, félicitations. Bravo. 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 Il a pas dit les bateaux. Bravo. Il n'est pas là. Hein. Alias, prends sa pièce. Bravo. Il est pas là, mais on récupérera ses biens avec Monsieur Osman. Et maintenant, très bien. Le gros lot. Et on va passer au dernier lot. Les 100 dollars. Qui veut gagner les 100 dollars ici ? Moi, numéro 108. Numéro 108. Moi, j'en ai vraiment besoin personnellement. Ouais, moi aussi, mais si je vais pas participer. Ma situation financière n'est pas vraiment bonne, donc bon. Ah, j'imagine, mais malheureusement, il n'y aura qu'un seul gagnant. Tiens, bah, c'est perdu. Buck, je te laisse faire le roulement de tambour. Vas-y, danse, ma soeur. Mais non, mais. Walter Jacobs. Eh ben non, c'est bon, toi, Mirko. Bravo, félicitations. Est-ce qu'il est là ? Il a rien gagné. Non. Ah merde. Ah bah quel dommage. Hein. Tant pis. C'est pas grave, on contacte toujours avec les dollars. Les 100 dollars, ils peuvent voler quelque part. Ah, oui, vous inquiétez pas, on contactera tous les gagnants par Telegram pour leur remettre leur lot. C'est bien dommage. Oh, mais t'as rien gagné, vous inquiétez pas, c'est la première d'une longue lignée. J'ai pas envie. J'ai pris un ticket, Valentin. Vous aurez l'occasion de gagner une autre fois ou de participer à un autre événement de la guinguette. Aucun problème. Il y aura peut-être plus d'argent qu'il retrouvera dans le coffre. Mais moi, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de se resservir, messieurs ? Non, merci. Non, pour moi. Mais sinon, messieurs, juste pour vous donner un petit avant-goût pour la prochaine soirée, préparez vos meilleures blagues. Hein. Venez. Il y a d'autres choses à dire. Monsieur, venez avec nous. Qu'est-ce qui est jaune qui attend ? Voilà. Bah, allez. Et au revoir et bonne soirée, messieurs. Au revoir et merci beaucoup, messieurs, pour les soirées. À la prochaine. Au revoir, mesdames. C'était court, merde. Monsieur Johnson, fixe, c'est ça. Plaisir de vous voir. Oui, c'est ça. À bientôt, messieurs dames. Merci à vous. On se donne rendez-vous. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à vous, madame. Il a tout perdu. J'en peux plus. Bientôt. C'est moi qui pue comme ça. Ouais, tu pues. Non. C'est normal, j'ai été te chercher. Non, c'est quelqu'un d'autre. Attendez-moi, bordel. Bah, yo, je s'en va, Bah, allez, mais pas à vous. Ouais, pas trop.